toujours être prêt, voilà. S'entraîner, jamais s'arrêter. Prénom Romain. Son art martial, le Muay Thai. Son objectif, être le meilleur sur le ring et non pas dans la rue, car ici, dit-il, il a plus à gagner. Romain Goliris pratique cet art martial depuis 4 ans. Il a débuté les combats il y a 12 mois seulement. Et ce jeune homme de 23 ans, originaire de Bois d'Olive, à Saint-Pierre, a récemment mis KO le meilleur de sa catégorie à La Réunion. Romain a battu, on va dire, le champion qui est champion de France cette année. Sélection équipe de France et sélectionné au champion du monde IFMA à Abu Dhabi. Donc ça a été une révélation, ça a duré 50 secondes. On peut dire qu'en 50 secondes, il ne met pas toute sa pratique en place. Néanmoins, ça lui donne la possibilité aujourd'hui d'intégrer des grosses organisations comme le MTGP. Romain a arrêté son métier de cariste pour devenir boxeur professionnel. Il est à l'entraînement du lundi au dimanche dans cette salle de Saint-Pierre. Avoir un champion dans la salle, ça fait une belle vitrine. Ça montre en même temps la qualité du travail qu'on peut donner ici au niveau de l'enseignement. Et c'est aussi la rigueur, la discipline et beaucoup d'assiduité pour arriver à là. Le talent ne suffit pas. Le talent ne suffit pas, le travail. Romain voit grand. Il désire à terme intégrer les combats de la One Championship, une compétition dotée d'un prix $1 million. Il ne faut pas se prendre la grosse tête, il ne faut pas se faire croire qu'on est le meilleur. Il faut vraiment continuer à travailler et vraiment s'acharner sur ce qu'on veut déjà. Et voilà, j'adore ça, donc c'est bon. Aujourd'hui, je suis bien entouré. Mes coachs, Malik Gongfong, Greg qui vivent en Cosse. Et j'ai un préparateur physique aussi, Coaching Fight, Christophe Galli, qui entraîne Kazambo en ce moment. C'est Kazambo, c'est une étoile montante aussi, mais qui c'est un ancien à côté de moi. Mais voilà, aujourd'hui, j'aimerais atteindre des buts et je suis prêt. Dans quelques jours, Romain Goliris sera sur le ring du MTGP, le Muay Thai Grand Prix, au Mexique. Il sera opposé dans sa catégorie des moins de 63,5 kg à Condé, le meilleur boxeur Muay Thai mexicain.